Je vous jure, j'ai galéré pour faire la miniature, pourtant j'ai pris mon tatouage le plus simple. Hello, on se retrouve pour un nouveau tag, donc comme tous les mois j'en fais un nouveau, c'est un tag que ça faisait un moment que je voulais le faire. J'ai eu du mal à en trouver un sur YouTube, je crois que j'ai trouvé sur une chaîne anglaise que j'avais dû traduire ou quelque chose comme ça, je sais plus. En tout cas c'était la chaîne de... En tout cas c'est la chaîne de Ulilopia, donc je vous mettrai son lien en barre d'infos si elle a toujours une chaîne YouTube depuis le temps que j'ai copié son tag. Donc le tag se compose de 10 questions au sujet des tatouages et des piercings, chose que j'adore, donc je voulais absolument vous en parler dans ce petit tag. Donc combien de piercings as-tu? Je sais pas qu'est-ce que vous entendez exactement par piercing, en tout cas j'en ai au moins un ici. Celui-là c'est un faux, donc on peut pas vraiment dire qu'il compte. Et depuis que je me suis fait les écarteurs, je pense que pour cela maintenant on peut les compter en tant que piercing et pas simple boucle d'oreille. Donc je dirais 3,5. Question numéro 2, regrettes-tu d'avoir un piercing? Non, pas du tout, ça a toujours été ma manière de me démarquer, même au moment où j'étais une petite timide qui voulait se fondre dans la société, qui ne voulait pas se montrer, au moins mon piercing montrait quand même que j'avais mon petit côté un petit peu rebelle à moi, et jamais je regretterais de l'avoir. Si jamais ça rebouchait sans aucun doute, il y a une année je me suis dit que jamais je le referais parce que ça m'avait fait mal et tout, mais finalement je me rends compte qu'à l'époque c'est juste que j'étais une chuchote et qu'en fait c'est mon identité, je me verrais jamais sans ce piercing là, et je le ferais. Je le referai sans souci autant de fois qu'il le faut. J'aime ce piercing et je compte le garder ad vitam aeternam. Par contre, je ne suis pas une accro du piercing, donc je ne referai pas d'autres. J'avais pensé à une époque me faire la langue, me faire le nombril et tout ça, et finalement ça ne me correspond pas, ce n'est pas moi, et je suis pas trop à l'aise avec ce genre d'aiguille, donc celui-là je l'aime mais j'en ferai pas d'autres. Par contre pareil, mes écarteurs je ne les regrette absolument pas, ce n'était pas douloureux à faire. Je n'ai jamais autant porté de bijoux d'oreilles depuis que j'ai mes écarteurs, puisqu'avant quand j'avais des oreilles normales je m'infectais tout le temps, ça me grattait, peu importe que j'utilisais de l'or, de l'argent, ce que vous voulez, du toc ou pas, je ne les supportais pas, alors que depuis que j'ai ce genre de bijoux qui sont pourtant qu'en plastique basique, j'ai jamais été aussi bien et aussi à l'aise, ils ne me grattent jamais quoi que ce soit, donc je pense que jamais non plus je les retirerai. C'est ma manière encore de me démarquer et j'en suis fan. Et mon piercing au nez, tout ce qui me fait faire de ne pas en faire un vrai, c'est que j'ai pas envie de payer 50€ pour me faire un trou au nez, alors que celui-là fait vraiment le dupe, c'est un faux et pourtant il fait très bien l'affaire, donc pas envie de m'embêter. Donc question numéro 3, quel est le piercing qui t'a fait le plus mal? Donc forcément c'est celui-là, puisque celui-là n'est pas percé, et celui-là bah, j'ai fait juste de l'agrandissement, ça piquait par moment quand j'agrandissais, mais voilà. C'est celui-là qui faisait le plus mal, ça remonte à plus de 10 ans maintenant que je l'ai fait, donc je me rappelle pas du tout de l'échelle de douleur, je dirais. En fait je crois qu'à l'époque je me disais c'est comme si vous preniez votre peau de poignet et vous pinciez assez fort avec votre ongle jusqu'à ce que la douleur soit assez vive, et ça fait cet effet là. Mais ça ne dure que l'effet d'un instant, franchement on peut bien souffrir quelques minutes pour si on est vraiment sûr et le résultat est vraiment là, donc c'est pas grave. Donc question numéro 4, as-tu des soucis avec ton piercing? Absolument pas, j'ai aucun souci. Faut juste que j'avais eu un bon perceur qui m'a mis une tige que j'utilise depuis plus de 10 ans, j'utilise jamais les tiges autres du commerce. En fait c'est que le plat derrière n'est pas totalement plat, il est légèrement recourbé, ce qui fait que ça n'accroche jamais au niveau de mes dents, parce que sinon un piercing comme celui-là peut vous déchausser ou vous abîmer les dents, sauf que moi ma mère m'a mis un piercing qui était assez arrondi, et en fait ma peau de la bouche à l'intérieur c'est un petit peu recouvert par dessus, donc ça reprotège encore plus au niveau des dents. Et il l'a percé aussi de manière, je sais plus comment il avait fait, il avait percé un petit peu vers le bas, pareil encore une fois pour protéger mes dents et afin que ça ne les abîme jamais, parce que ça si c'est mal percé vous pouvez vraiment abîmer vos dents et quelque chose de violent. Question numéro 5, veux-tu plus de piercing? Non, absolument pas, je ne suis pas une adepte des piercings et je trouve que j'en ai bien assez comme ça. Tout ce que j'aurais vraiment voulu faire, c'est si ça n'avait pas été assez bien, c'était de me refaire celui-là en vrai, mais j'en vois pas l'intérêt. Donc question numéro 6, combien de tatouages as-tu directement? Donc, non, j'en ai 4. Donc je vais vous montrer dans l'ordre que je me les ai suis fait. Donc le premier c'est celui-ci, que j'ai fait quand j'avais 16 ans, donc... C'est mon prénom écrit en japonais, c'était ma période, c'était le plus fan de l'Asie, et j'avais voulu faire en mode japonais parce que tout le monde le faisait en chinois ou en arabe, ce qui ne m'intéressait absolument pas, donc moi je me l'étais suis fait en japonais, et heureusement il y a plusieurs personnes qui me l'ont traduit, c'était bien écrit, c'était un petit peu ma plus grosse crainte, et j'avais voulu faire quelques fleurs de lotus, un tatouage que je compte retoucher dans quelques années pour l'améliorer, lui mettre un peu plus de fleurs parce qu'il est un petit peu trop strict quoi. Ensuite, le deuxième que je me suis fait, bah, c'est celui-ci.
Donc voilà, je me suis fait tatouer Amy dans la peau avec une petite étoile, donc parce que oui, c'est pourtant que mon pseudo, mais c'est quelque chose qui me tient normalement à cœur, puisque c'est celle où je... Pour moi, c'est ma vraie moi, c'est Amy et non Anaïs. C'est celle où je suis le plus à l'aise, où je suis sûre de moi, où on me connaît sous ma... Enfin, ma meilleure personnalité, c'est celle au moment où j'ai commencé à me faire appeler comme ça, où j'étais de plus en plus sûre de moi. Et voilà, c'est tout un symbole, c'est plus qu'un simple pseudo, et je me suis juré que si un jour j'avais une fille, bah, je l'appellerais comme ça, donc ce serait une double signification. Voilà. Ensuite, le troisième que je me suis fait, il est juste ici. Donc voilà, il descend un petit peu plus bas. Donc, c'est écrit « Vite et rêve, ne rêve pas ta vie » avec une date symbolique pour moi, je garde un petit peu le côté personnel de cette date. C'est un tatouage, en fait, c'est tiré d'une des chansons de Kinvey. Non pas que je suis une extra grande fan, mais voilà, cette phrase m'avait marqué le jour où je l'ai entendue, et en fait j'ai décidé que ce soit ma philosophie à partir de maintenant, et que moi j'applique tout le temps cette idée. Faut que j'arrête de rêver, faut toujours que je fasse tout ce qu'il faut pour réaliser mes rêves, et dès que j'oublie, ben, en fait je repense à ce tatouage, et voilà, ça me remotive, et je l'adore à l'avoir placé là, et en fait c'est le plus grand que j'ai en plus, et voilà. Et ensuite, le dernier, quatrième et dernier que j'ai, mais je les cache toujours dans des endroits un petit peu pas possibles, donc c'est celui-ci. Donc c'est un cœur avec des ailes que j'ai fait un petit peu, que j'avais trouvé dans un autre emplacement. En fait, j'ai un petit peu copié ce tatouage, j'en demandais comme une petite modification à mon tatouage, pour qu'il soit un petit peu personnalisé quand même. Je ne vous raconterai pas la signification de ce tatouage parce que c'est ultra personnel, donc j'ai pas vraiment envie de vous raconter pourquoi. Mais voilà, j'ai fait ces tatouages, celui-là, celui tout en bas, la chute, je l'ai fait à 16 ans, et les autres je l'ai fait entre 22 et 23 ans, je les ai vachement fait d'affilée. Je suis une accro tatouage. De toute façon c'est bien connu, quand on commence une fois, on a du mal à s'arrêter. Donc question numéro 7, regrettes-tu l'un de tes tatouages? Non, et je ne les regretterai jamais, même si celui de la cheville, je l'aurais un petit peu fait autrement. Je ne regretterai jamais, ils ont tous leur histoire, leur particularité, et j'ai fait le choix de les avoir dans une vie, j'ai bien réfléchi. Donc jamais je ne regretterai aucun de mes tatouages, tant qu'ils sont bien faits. C'est la seule chose qui pourrait me faire regretter, c'est d'avoir été chez un mauvais tatoueur et qu'il me fasse un tatouage raté. Mais le premier avait été fait chez un tatoueur, les trois autres ont été faits chez un autre tatoueur... chez qui je compte retourner. Donc question numéro 8, quel est le tatouage qui t'a fait le plus mal? Je dirais c'est celui sur le ventre, surtout qu'en fait, quand il a fait la partie rouge du cœur, en fait c'est sur une partie qui est pas dure, qui est très molle, donc il fallait qu'il appuie parce que la peau rebondissait, et pour bien que le rouge soit, ne s'efface pas avec le temps, il fallait vraiment qu'il appuie bien dans la peau et qu'il fasse bien autour des rebords, qu'en fait entre la ligne noire et le rouge il n'y ait pas de blanc. Et donc ça c'était la partie qui m'a fait le plus mal, mais c'est vraiment mal, c'est pas une douleur atroce. Sinon après chacun a eu sa partie un petit peu plus douloureuse. Mon poignet c'est quand il est passé au niveau du Y, quand il est passé sur un nerf, en fait c'est là que ça fait le plus mal. Ma cheville c'était plutôt quand il a vibré sur mon os du tibia, en fait ça a vibré jusque dans mon genou, c'est là que ça faisait mal. Le côté... c'était plus quand il était sur la hanche, mais enfin franchement... On m'a dit, à chaque fois on me disait, ouais, apparemment j'ai fait les parties les plus douloureuses, en fait, quand si c'est ça le plus douloureux, bah franchement, les gens sont des chuchotes. Donc question numéro 9, as-tu des soucis avec tes tatouages? Non, absolument aucun, il suffit juste de les hydrater et c'est tout. Je les expose pas au soleil, je les hydrate et en fait j'ai jamais eu de problème de quoi que ce soit. Et pour finir, question numéro 10, veux-tu plus de tatouages? Oui, il n'y a que le côté financier qui m'arrête. J'espère m'en refaire un cette année, je ne sais pas encore lequel, je me tâtonne, il faut que j'aille voir mon tatoueur pour me faire faire des devis, mais il faut de toute façon que je me recouvre les deux bras. Ça c'est mon objectif et après on fera le reste. Le reste il n'y en aura pas partout, mais il y a quelques petits points stratégiques que je veux faire aussi. Donc en fait je vais me faire un truc dans le dos, un truc au niveau de l'arrière du cou. J'hésite à me faire des symétries au niveau devant des épaules, je ne sais pas encore. Les cuisses, j'aurais voulu les faire, mais j'ai pas une peau assez nickel au niveau des cuisses, donc voilà. En tout cas, il faut que j'agrandisse celui de la cheville. Mais mon objectif, là, c'est de me faire mes deux bras, et vous les verrez au fur et à mesure, de toute façon, dans les vidéos. Et donc, oui, je fais partie de celles qui ont commencé un jour les tatouages et qui ne peuvent plus s'arrêter. Tout ce qui me reste, c'est le côté financier. Parce qu'un tatouage... ça coûte quand même assez cher, ça faut pas se mentir. Si jamais vous voulez une ordre de prix, en fait... celui à la cheville m'a coûté 50€, celui-ci m'a coûté aussi 50€, celui de tout le côté m'a coûté 180€ et celui du ventre m'a coûté 80€.
C'est ça. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des tatouages ou des piercings, quels sont vos thèmes au niveau des tatouages. Moi pour l'instant j'en ai pas vraiment de précis, même si un petit peu partout à chaque fois j'ai quasiment à chaque fois des étoiles. C'est un petit peu mon fil conducteur, même s'il y en a qui disent que c'est vraiment le tatouage que un petit peu tout le monde fait, mais voilà, je suis fan des étoiles, j'ai pas besoin de l'expliquer plus que ça. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous-même, prenez grand soin de vos loulous, prenez la vie du bon côté. Bye bye! Et vive les tatouages!